Rollist TV, bonjour, Mathieu avec un seul T et avec un œil un petit peu amoché, et bienvenue à ce live, mais ce n'est pas n'importe quel live, messieurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, parce que c'est un live où demain il n'y a pas école, demain c'est un jour férié, donc on s'est dit qu'on allait passer une petite heure ensemble, enfin bon, on se connaît une heure, puis après on discute, mais en tout cas, nous allons passer un petit bout de temps ensemble, on va parler de nouveautés, on va parler un petit peu de l'actu jeu de rôle, et puis aussi, on va parler de petites choses, le MJ Express, nouvelle petite rubrique, et puis il y a des petits éléments également qu'on peut utiliser, et on parlera bien entendu, et on va savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces deux mystères? Quel mystère, hein, vous le voyez, il est là, ils sont là, on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, Artoma, la première règle du Fight Club, alors je précise, hein, c'est juste une... quelque chose que j'ai développé à l'œil, voilà, c'est tout, il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien eu du tout, puis vous entendez à ma petite voix suave qu'il y a eu d'autres maladies, autant vous dire en coulisses, je peux vous dire que je n'ai pas passé une semaine à être au-delà du stade horizontal, tellement il y a eu de petits pépins, voilà, il y a des périodes comme ça, il y a des marées hautes et il y a des marées basses, là on était à l'évidence dans une marée basse. Alors, la première petite chose, vous avez joué... Alors tiens, mais Jérôme, très très bien. Voilà. Pour ceux qui ont... hop là, oh là. Alors, bref, alors pas d'ours, voilà. Vous avez décidé de me briser le cœur ce soir. J'ai croisé Yann Livingstone à Trail des Légendes, il m'a fait une dédicace sur un livre dont vous êtes le héros. Il est possible que Fabrice disparaisse également, parce qu'il a aussi vu Yann Livingstone, il a aussi discuté avec, il m'a juste envoyé une photo, il ne m'en a pas dit plus, le petit ingrat. Fabrice, lui, il est en vacances en ce moment avec sa famille, donc on le salue. Jérôme lui dit qu'il a adoré Trolls et Légendes. Jérôme, il a aussi rencontré Didier Guizrix. Alors, il se trouve que de Rouen, bah, ça fait 3 heures de route, et l'année prochaine, effectivement, je vais certainement... m'arranger, même si de toute façon, là, dans les faits, vu mon état de santé, je n'aurais pas pu me déplacer là-bas. Salut, RedCM. Alors, est-ce que vous avez joué ce week-end, hein? Vous savez, parce que ces petits lives, c'est un petit peu aussi pour parler de tout ce qu'on fait, de toute notre petite passion commune. Pour ma part, j'ai commencé Farce Macabre, mais j'ai commencé Farce Macabre par un scénario d'introduction que j'ai pris au jour de la bête, hein, qui s'appelle... Alors, je ne dis pas le titre, parce que les joueurs ne les connaissent pas encore. Et donc, c'est un scénario avec une maison hantée. Et c'est plutôt, un bon début pour l'instant. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que un des personnages de ce scénario-là va devenir le directeur de l'hôtel Shepherd. Ce qui fait que quand les joueurs arrivent, ils le connaissent déjà. Et ça m'évite cette chose épouvantable dans l'appel de Cthulhu, où à chaque fois c'est écrit, vous savez, vous avez un télégramme, puis le télégramme dit « Un ami commun nous a recommandé... » Non, là c'est directement, on l'appelle. Et ils viennent. Donc, on a ici, alors, Fenrir nous disait qu'il devait faire du Fallout, mais par manque de joueurs, ça a fini du duel 5R. D'accord. On salue également Lorraine, hein, Lorraine, le bras de la justice, hein, qui est en coulisses. Salut Indigo. On devait faire donc du Fallout. Je devais faire Farce Macabre, mais en septembre, donc j'aurai le temps, je pense, de faire le début de la vidéo pour Farce Macabre. Ce week-end, mardi soir, maître de jeu à Warhammer. Également, première session de lancement de l'éveil du Seigneur des Runes, 10 pages de fête sur les 15 écrites. Pas mal, 10 sur 15, c'est bien, je trouve. Dans une session, on prépare du Cats également, ça c'est tout beau. Ah, Jérôme, toi t'as joué à Zombiologie avec Damien, de toute façon je pense qu'il y aura des... Vous avez remarqué à quel point ça a bien marché, hein, ce DCC avec Damien. Alors il y avait du beau linge, hein, à l'intérieur, et puis on avait le PP, le très bon maître de jeu, et je tiens à vous dire déjà, c'est fait, on va faire un café rôliste avec PP spécial DCC. Alors, vous avez vu celui qu'on a fait avec Traveler et Ectelion. On va faire un spécial café rôliste spécial avec PP sur même format, donc sur DCC. Et je vais inviter nos deux comparses québécois, parce que j'ai envie de faire aussi un café rôliste où ils sont tous les deux, pour qu'ils nous parlent du jeu de rôle au Québec. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire du jeu de rôle au Québec? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile ou non? Mais Royfoy, oui, 7 heures de jeu en session. Dragonbane lundi, Pathfinder mercredi, Fallout vendredi.
et scénario de Julien Pirou. Ok. Hey, je vois les amis, c'est bien, on joue, hein, on joue. Ça, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Les âmes perdues, test de Inferno et tout. Est-ce que dernièrement, il y a un jeu auquel vous avez joué en partie et puis ça, vous vous êtes rendu compte que c'était beaucoup trop dur ou qu'il y avait un truc qui marchait pas et tout ça. Attention, je parle pas d'un côté. Enfin non, si je parle de ça, c'est-à-dire il y a un jeu que vous avez appris puis vous avez dit ah en fait non ça colle pas, soit ça a pas collé dans le scénar, soit ça a pas collé dans ce qui est proposé et tout ça. Vous avez eu ça. Nicolas, lui, c'est Weizen. Weizen, eh bien, la vidéo de Weizen de Lorraine va sortir incessamment sous peu, soit demain, soit mardi. On n'a pas encore vu. J'attends vos petites réponses et pendant ce temps-là, je bois. J'ai une espèce de voix là, un côté ASMR, ça fait étrange. Rollis TV, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est la nuit qui vous parle. Cette nuit qui est notre conseillère, cette nuit qui est celle qui nous accueille, dans laquelle nous pouvons devenir ces personnes sans limite, où il n'y a qu'une seule limite, celle de notre imagination débordante que nous partageons avec nos amis. Tiens, ça y est, on a un nouveau concept. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, je commence à plus rien voir de l'œil. Alors, pour Weizen, n'oubliez pas les scénarios en téléchargement. Oui, les scénarios en téléchargement, ils ont également la bonne idée de bien adapter. Oui, mais Aurifo, je me rends compte hein, que c'est parfait pour s'endormir, cette voix. Ah oui, voilà. C'est ça. Et sans tricher. Alors, Obscurlist, tu dis que... Alors, tiens, Obscurlist, coucou. Alors, si tu vois l'état de mon œil, je dois le dire, c'est que je dois passer dans un scénario de maléfice d'Obscurlist. J'espère que tout va être arrangé pour la semaine prochaine. On croise les doigts. Alors, salut Olivier. Olivier nous dit Wasborg, je suppose, idée géniale, système moins motivant. Pas d'ours, bon, il n'a pas réussi à aller voir Yann Ivingson et Seigneur Bohort. Bon, ça, je crois que c'est en rapport avec l'autre discussion. Oui, alors, face macabre à retravailler, de toute façon, on va bientôt en reparler. Gore, on se sent tous routiers pendant quelques instants dans cette voix de radio nocturne. Ah oui. Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi dans un Discussion et Dragon où on fera une belle voix nocturne. Où que vous soyez, attention, les étoiles sont vos compagnons. Mais parfois, la traîtrise peut sortir des ténèbres bien rapidement. Voilà. Donc d'autres... alors, Obscurlist farce macabre, je pense que dans les dernières sorties, c'est quand même celui qui, effectivement, nous promet un énorme potentiel que l'on devine et qui est présent. Et puis... qui fait que oui, on doit quand même bien remodifier. Oui, Macha Béranger, pour ceux qui le connaissent. salut Alex et merci de ton soutien. Ouais, je vais tenter l'audiobook, mais uniquement lorsque j'ai cette voix comme ça. Alors, si quelqu'un croise Ian Livingstone, est-ce que quelqu'un peut lui dire Arthur Livingstone, I suppose? Oui, on peut aussi dire Sir, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui peuvent le dire. Il me faudrait un Rhino Horn, oui, tout à fait. Bon, ben, visiblement, il n'y a pas trop de scénarios ou d'autres choses qui vous ont déçu, donc ben, tant mieux. Et c'est vrai que quand on prend des jeux et qu'on se rend compte parfois du travail qu'il y a derrière, on a ça, et le pire, c'est quand même au moment où on est en... où on est juste devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'on a fixé la date est dans 3-4 jours, et puis on commence à lire le scénario, et là on se dit non mais en fait ça marche pas, ou il y a ceci qui marche pas, et alors tout de suite, d'ailleurs un moyen de bien rattraper des scénarios comme ça, c'est de pas avoir fait la création de personnages trop en amont, parce que vous pouvez déjà donner des conseils ou des directives pour les personnages qui vont être créés, histoire de rattraper le tout. Alors, on va passer maintenant aux petites news et actus. Salut JC. Et puis, bien sûr, joyeuse Pâques. Wow, on a un énorme bandeau, là. Les nouveautés. Alors, dans les nouveautés, c'est également les nouveautés informations. J'ai une petite question à vous poser, les amis. Est-ce que, à votre avis, vous savez quel est le meilleur... quelle est la plus grosse vente de donjons, moi j'ai rien dit, bon de toute façon le premier tout le monde l'aurait deviné, de jeux de rôle aux États-Unis par le biais des magasins de hobby,
Donc, un jour convention Geek Fantasy ou double mixte. Ah bah dis donc. Donc, à votre avis, quel est le jeu qui est le plus vendu aux États-Unis en 2023? Il s'est passé il y a eu un rapport qui a été fait où on a pris. Vous allez avoir le lien, hein, de toute façon. C'est tout le canal des jeux, les hobby games, qui n'inclut pas d'ailleurs Amazon, qui inclut Kickstarter, qui n'inclut pas la vente directe. Et 2023 a été une année qui a été assez difficile, justement, pour ces jeux-là. Alors, il y a juste eu une augmentation de 1%. Et évidemment, donc, l'explosion de progression des années Covid s'est complètement tassée. Et donc, c'est Donjons et Dragons le premier. À votre avis, quels sont les autres jeux qui sont dans ce top 10? Alors, je vois qu'il y a des choses qui sont arrivées. Alors, j'en profite. Gorky dit donc, déception sur Knight, un univers pré-geste de fin des temps qui n'est jamais vraiment exploité par les MJ au profit des scènes de castagne à répétition. Donc là, nous avons Strad, le jeu PC, Avatar, DCC. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont déjà dans le top? Alors, DCC n'est pas dans ce top 2023. Alors, j'ai vu des grosses surprises pour ma part. Enfin, non, j'en ai vu une qui m'a énormément surpris. Un jeu qui m'a énormément surpris. Non, pas Dragon. Donc, il n'est pas Fate Forge. Pathfinder, oui, est dedans. Pathfinder est dedans, bien entendu. Et nous allons... Non, Alien n'est pas dedans. Alors, c'est bien 2023. Mon Poney n'est pas dedans. Allez, on va le regarder ensemble. Je vous le mets ici. Bien, les jeux qui ont été le plus vendus, on a un top 10 que j'ai trouvé... Donc, encore une fois, on exclut... On exclut tout ce qui va être vente Amazon, même si de toute façon, il y a des jeux qui ne sont pas disponibles par... Il y a le Marvel de Matt Forbeck, tu as tout à fait raison, Fenrir. Donc, en numéro 1, en 2023, le jeu qui s'est le plus vendu, c'est Donjons et Dragons. En numéro 2, Pathfinder. En numéro 3, Cyberpunk. Et là, je vous avoue que j'étais assez surpris de voir Cyberpunk arriver. En numéro 4, World of Darkness. Alors, The Renegade, je suppose que ça doit être Werewolf, parce que je ne sais plus si Hunter était sorti en 2023. En 5, Starfinder, là aussi. En 6, Warhammer 40K. En 7, il est là, le Marvel Universe Roleplaying. Et il faut savoir aussi hein, que ce Marvel Universe, donc la licence a changé, c'est plus Marvel qui le fait, c'est Simon. Ensuite, les livres Kobold 5e édition. En 9, L'Appel de Cthulhu. Et en 10, c'est celui qui m'a le plus surpris, c'est Pirateborg. Là, quand même, j'étais très très étonné de le voir arriver, parce que quand même, un jeu qui, par rapport au nombre de pages des 9 autres, est un petit peu en retrait. Ah, Fenrir nous dit, ok. Bah oui, ce que tu me dis, il y a Danny Dufic qui a fait passer la liste aujourd'hui. Ok, d'accord. Danny qui avait fait un très très bon truc hein, sur justement le jeu de rôle Marvel, et je partage énormément son opinion dessus. Donc, alors. Blade Runner, étonnant ou pas, c'est le succès où il avait été assez fort, et tu as tout à fait raison Alex, mais après je ne sais plus si c'était 2023 ou si c'était 2022, je vous avoue qu'il y a que les mois qui passent. Alors, Pirateborg, évidemment Jérôme, c'est la malédiction du « le jeu n'est pas à portée de main », c'est chez Free League, et au début il y avait Morgborg, là vous avez Pirateborg, et Pirateborg c'est un jeu qui, on mettra une photo après le live, c'est un jeu dans lequel tu joues des pirates et qui est un jeu que je trouve beaucoup plus jouable d'ailleurs que Morgborg. On est un peu moins dans le côté expérience ludique, même si Morgborg est un ovni. Et donc Pirateborg est dedans et on sait bien. Voilà, merci beaucoup Lorraine. Donc voilà, un Pirateborg qui est disponible chez nos amis. Philibert et, ah oui, et Cyborg. Alors, c'est des jeux, hein, les couvertures, c'est des feux d'artifice. Ça m'est arrivé pour Cyborg. Il n'était pas là, mais Cyborg, là, le dos du bouquin, il est phosphorescent. Donc, quand tu éteins la lumière chez toi, tu vois ça et tu te regardes. Tu te dis, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose. Oui, c'est un jeu qui a des graphismes très, très particuliers. Attendez, vous savez ce qu'on va faire, les amis? Je vais juste faire un petit
un petit break néon, et puis je vais vous le trouver. Il est là. Et me revoilà. Voilà. Alors, donc, hop, on va faire un changement de caméra et on va se mettre ici. Je vais ajouter à la scène. Donc, voilà Pirate Borg tel qu'il était. Alors, c'est. Le jeu est difficile. Le jeu est en une espèce de couverture mat. Et on, voilà, on voit le côté OSR qui est. Qu'ici, on a beaucoup de tables. On a une explosion graphique. On a les types d'adversaires qu'on peut rencontrer, le type de personnes que l'on peut jouer. Vous voyez, The Devil's Lock qui est ici. Donc, beaucoup, beaucoup de tables. C'est le propre hein, de l'OSR. On a des règles de combat naval. On a également donc, toutes sortes de créatures qu'on va rencontrer. Et ça vous donne un Pirate des Caraïbes version World of Darkness x10. Donc voilà ce qu'est ce jeu, et c'est pour ça que je vous disais que c'était, je trouvais plus accessible, entre guillemets, pour faire des jeux, ou se dire, tiens, celui-là, je vais y jouer, puis je vais y jouer un petit paquet de temps. C'est pour moi le plus accessible hein, de toutes ces séries Borg. Et donc, grande surprise, c'est de voir qu'il est au niveau de ce top 10, et ce qui est... Les chartes graphiques, ouais, elles sont très inspirantes. Et oh, JC, trop vieux. Mais non, tu n'es pas trop vieux, JC. Tu n'es pas trop vieux. Non, non. Dans Pirate Borg, les persos sont tout aussi squishy que dans le jeu père. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par squishy, Thomas, si on peut les presser comme ça. Mais oui, le son, il n'y a jamais un taux de mortalité. Il n'y a jamais un taux de survie qui est très très bon. Donc c'est un des éléments un de ces éléments qui m'a beaucoup surpris. On a également pu voir qu'il y avait une baisse, enfin qu'il y avait eu une fuite des plus vieux joueurs de Donjons et Dragons vers d'autres jeux. Et on commence en fait à voir de ça et là, alors bien sûr il faudra que ça soit confirmé, mais on commence de voir à ça et là les effets de l'OGL Gate, parce que dans tout ce qui est remonté, dans tous les tests, Mathieu qui dit Kamisha était pas dans, je vais parler de Kamisha tout à l'heure, dans tout ce qui est remonté, parce que c'était des enquêtes qualitatives, ce qui permet de dire que si vous voulez tuer un pauvre animateur rôliste TV, arrêtez, enfin continuez à dire qualitatif ne veut pas dire quelque chose qui est bien réalisé. Une enquête qualitative par exemple, c'est une enquête où les données ne sont pas justement quantitatives, c'est pas des chiffres, et donc ça c'est issu d'une enquête qualitative hein. Quand c'est qualitatif, ça veut dire que c'est en rapport avec la matière, en rapport avec la chose, en rapport avec l'être, donc et ça n'a aucun rapport à savoir qu'un jeu soit bien fait. Et il y a encore moins quali. Je mets ça dans ma liste des anglicismes. Allez, c'est parti. On fait un prix de gros. Mais bon, allez, c'était terminé. Voilà. Là, j'ai fait mon. Mais bon. Donc, la chose dont ils se sont rendus compte après les retours, c'est que autant l'histoire de l'OGL pour les jeunes joueurs, rien à faire. Ils sont restés avec Donjons et Dragons. Autant pour les plus anciens, ils ont tendance à migrer. Et ce qui pose vraiment la question de cette attente et de voir comment ça va se faire. Comment les choses vont se passer pour aborder cette nouvelle édition qui va arriver. Donc, j'avais envie de parler de ça. Et puis, bon, vous voyez, Danny Dufix l'a fait également avant. Bon, bah, c'est une belle convergence. C'est une très belle convergence. Salut, Clock. Un petit coucou en silence, n'ayant pas le son en car en famille. Ah oui, bon, bah, coucou. 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 Mathieu Capello. Merci, Thomas. Et Cali, c'est une déesse hindoue aussi, puis elle quand elle arrive, ça sera pas mal au niveau des dégâts. Alors oui, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le classement en France. Tu as tout à fait raison. Alors encore une fois, là aussi, hein, je précise bien, ce classement, c'est le classement par le biais des boutiques. C'est pas du tout par les autres biais. Il y a beaucoup d'autres liens et on n'a pas le classement Amazon. Mais par exemple, vous savez que
l'appel de Cthulhu ne se trouve pas sur Amazon, mais il y en a d'autres qui rentrent dans le système d'Amazon. Et Jérôme, c'est difficile d'avoir de tels chiffres. On arrive à avoir très régulièrement les sorties Philibert. D'ailleurs, pour le mois de juin, nous enverrons leur classement, on leur demandera, et ça permet de voir comment ça se passe, parce que on a des indications vastes avec parfois les financements, mais on n'en est pas en fait à ce point-là. Je vous propose qu'on aille justement sur une actualité française, nos financements participatifs, et parce que les financements participatifs en ce moment. On va quand même dire une chose, c'est que ça va très très bien au niveau des financements pour certains jeux. Et donc je voulais savoir si vous avez pledgé pour certains jeux dernièrement, parce qu'on a eu quand même des belles, très grosses surprises. On a eu en fait des confirmations de succès, mais je pense que le niveau de la qualité du jet, et là c'est dans le bon sens du terme, le niveau de la qualité du jet, c'est autre chose. Pipi de Serein, non, on a uniquement le classement. Hein. Alors on a du La Elite, on a du Traveler. Alors Shendor, tu attends Dead Genesis, tu as raison je pense au niveau de la gestion. Non, Shan et Celestopol, rien du tout, je viens de voir l'annonce de Aria le 23 mai, mais je vais m'observer, je n'ai pas craqué pour La Elite, ok. Ok, on va commencer Lorraine avec La Elite. Pour voir ça, on va aller du côté de Traveler. Moi, il y a une chose que je trouve assez belle, quelque part, dans ce La Elite, c'est... Juste passer sur le La Elite, parce que les gens vont croire que je suis sur Traveler. Ah, toc, toc, ça jongle. Voilà, la chose que j'ai trouvée assez belle, c'est que, vous voyez, il y a 797 souscripteurs. Et 797 souscripteurs, il y avait eu tout juste, on avait dépassé le chouïa des 1000, d'un chouïa de quelques coquillages, les 1000 souscriptions pour La Elite. Et en plus, on était dans une époque, hein, dans ces 1000 souscriptions, le financement de La Elite, non seulement il avait mis du temps à arriver, mais surtout il avait pas duré une semaine. On n'était pas à l'époque des financements, les financements hold-up, c'est-à-dire 7 jours, hop, et puis on repart. Et là, ce qui m'étonne, et c'est une très belle surprise, c'est de voir à quel point il y a finalement très peu de déperditions, parce que là c'est pas encore terminé, ça se finit dans combien de temps, je vois pas, ça se finit dans 2 jours, oui ça va se finir dans 2 jours je pense, voilà 2 jours, donc il y aura le temps que ça remonte encore un petit peu. Alors je sais pas si on atteindra les 1000, mais il y a une vraie fidélité, et ça fait plaisir je trouve, pour une création effectivement comme on dit française. Et je dirais aussi pour une création qui est beaucoup moins tentaculaire que le La Elite, hein, qu'on a pu voir arriver. Et donc finalement, on n'a pas eu beaucoup de retours. J'avais vu très peu de critiques, hein, je l'avais dit sur le supplément. Donc tous ces éléments me font dire que ouais, il y a toujours cette vieille garde qui aime bien jouer ainsi. Alors, que me dites-vous de tout cela? Alors, j'ai quelques billes dans Dragonbane, fortement hésité pour Nock et Myr. Alors, moi, Myr, j'aime beaucoup, mais je suis assez étonné, c'est qu'on n'a toujours pas le jeu. Je crois que c'est une des premières où on a un jeu qui n'est pas sorti, mais on a une boîte d'initiation, puis on a des scénarios qui arrivent. Traveler, pour toi, si la voiture n'est pas morte. Et là-dessus, de toute façon, Mnemos l'avait fait à dessein, c'est-à-dire que les 42 jours couvraient 2 payes. Pas de plage, trop d'attente, mais j'ai passé commande chez Philibert pour le supplément Arkham de chez Chaosium. Petit sourire. Dragonbane, La Elite. Alors, le nouveau Cobalt Eridis, ça va être demain. Alors, c'est des suppléments d'habillage, copyright Rollis TV comme expression. Et ces suppléments d'habillage, on va en faire un petit scénario, une petite vidéo dessus. Parce que c'est aussi des suppléments où on peut se poser la question de quel pourcentage va-t-on jouer vraiment dedans. Alors, La Elite, pour toi, a été décevant, Pipi de Serein.
j'ai du mal à dire ton pseudo à voix haute. Pépi de Serene. Voilà. Mir, j'attends le livre de base, nous dit Marie. Ouais, il y a Nock, un Nock qui est dedans, grosse chose. Pour les gros projets qui n'ont pas besoin d'être connus, je trouve les financements très courts parfaits. Oui, tu as raison, Mathieu. Les financements très longs, adaptés pour les petits projets, je suis d'accord. Cité Ovnis, la suite de Simba Room. Delta Green, oui, vient d'être annoncé vers le mois de juin en tant que financement. Je peux vous dire, pour avoir des retours, ça rame. Voilà, ça va. Et puis, on a Traveler. Alors, Traveler, bon, on va arriver dessus, hein, bien entendu. Notre Traveler. Grosse surprise, il faut quand même le dire. Parce que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu que vous achetez, c'est une expérience, mes amis. C'est-à-dire que, waouh, on a quand même affaire à un monstre. Et comme on l'avait dit avec Fabrice et Frédéric, c'est que on a l'impression que c'est un nouveau jeu qui arrive parce que on connaissait Traveler. Les personnes qui étaient au-delà du livre de base n'étaient pas non plus forcément très nombreuses. Il y avait cette espèce de rumeur qui s'auto-alimentait, comme il y en a souvent dans le jeu de rôle en France. Et là, on a commencé à voir ce qu'était le jeu, ce qu'il offrait, ce qu'il proposait, sous ses 12 kilos. Et ça a créé un engouement. Et je dois avouer, moi, une des choses qui m'a le plus, encore une fois, agréablement surpris, c'est le prix, parce que le prix, et je pense aussi que c'est ce qui aide à faire cela, le prix est très très abordable quand on voit le prix des bouquins en VO, quand on voit l'ensemble, voilà, quand on voit juste pour tout cela. Alors les frais de port ne sont pas dedans, je crois qu'ils sont à plus de 30 euros, donc il faut le penser quand on le fait avant. Mais pour le coup, c'est une grande chose. Alors après, hein, bien entendu, il faudra y jouer maintenant, comme on dit, et jouer maintenant, comme on dit. On a aussi eu effectivement donc Witchfinder, il y a du retard. Il y a du retard, hein, c'est un des points de cas qu'a Aquilios, mais je peux vous dire que les équipes Witchfinder Aquilios, hein, on n'a pas pris l'un sur l'autre, hein, on est en train de, enfin chez Aquilios, ils en sont tout à fait conscients. Alors Célestopol Feldwell qui marche un peu timidement. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Alors maintenant, il y a le kit de démarrage qui est mis à disposition. Il ne l'était pas pendant le lancement de la campagne. Voilà, il est ici. Donc, ça a fait que ça remontait. Et après, ben, il y a eu... ça s'est engouffré avec Traveler, avec la Elite. Même si je ne pense pas du tout qu'on soit sur les mêmes genres de public. C'est effectivement dommage. Donc, mais bon, le jeu est encore... il n'est pas encore mort, hein, pas l'intérêt. Tedeum, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de Light Pledge. Fenrir, pour ce qui est de All Gods of Appalachia, j'avais posé la question à Tony de BBE, et qui m'avait répondu la fameuse « On te répond par un sourire ». Voilà. Là, je suis en train de le lire dedans et c'est une très très bonne chose. Et enfin, je suis en train de me plonger dedans et de réécouter les podcasts d'ailleurs. Très très belle ambiance. C'est idéal quand tu as de la fièvre et que tu veux t'endormir. Et Célestopol a un petit côté écrime également, comme tu peux le dire. On a aussi du Shan avec quelqu'un. Alors, Shan, on a eu ce matin, je vous renvoie au niveau du prix rôliste, au niveau du café rôliste, je vous renvoie dessus, donc déjà financé. Et puis on a cette option en jeu en solo. Et ça continue son bonhomme de chemin, et c'est vrai que ça donne envie, hein, surtout quand il fait froid comme ça et qu'il pleut. Voilà. Mathieu nous dit, les succès records troublent notre perception, il faut 200% et on trouve que c'est timide. Oui, je suis assez d'accord avec toi, parce que de toute façon, en fait, les pourcentages, c'est les pourcentages qui faussent notre perception. Parce que quand tu as un éditeur qui demande 10 000 euros pour un jeu où tu sais très bien avant que tu vas taper dans les 80 000 ou dans les 100 000, évidemment, je grossis le trait, bah, tout de suite, tu,
le pourcentage, il ne veut pas dire grand-chose. Quand tu as, quand tu demandes 30 000, 40 000 et que tu as 100%, bah là, ça veut dire autre chose que si tu as 200% effectivement d'un jeu. Et ce que, et également, c'est surtout ce qu'il faut regarder, je pense, c'est tout simplement le nombre des contributeurs. C'est là où on voit les vraies choses. C'est là où, quand on vous dit c'est le retour du jeu de rôle, le retour du jeu de rôle, c'est les nombres de contributeurs. On a des jeux qui régulièrement passent la barrière des 1000. Là, oui, d'accord, quand vous avez des jeux qui font 300%, mais qu'en fait, quand on regarde le nombre de contributeurs, on est à 200, 300, c'est pas forcément le... c'est plus de grand-chose. On a aussi les paliers. Oui, on sent qu'ils espéraient tout à fait les 30 000. Mais on n'a pas diffusé les mêmes de Rollis TV hier, mais c'est... il y en a une que je vais faire, parce qu'on sent quand... Alors, le premier palier, ça va être un marque-page. Le deuxième palier, c'est un deuxième marque-page. Le troisième palier, un supplément de 90 pages en dur. Voilà, on sent qu'ils veulent. Il y a des paliers qui sont là pour meubler, et puis après, hop, là, on s'embarque dedans. Alors, Fenrir, je dois dire que le All Gods of Palacha comme podcast en anglais, il faut se concentrer. Il faut quand même se concentrer. Et en 1000, on est un peu sur 60 millions de Français, voilà, c'est pour ça. Et qu'il faut bien expliquer aux... Ah oui, il y a aussi, tu me le dis, Lorraine, il y a le vernis sélectif sur la couverture, ouais, le vernis sélectif pour lequel tout le monde fait « bien sûr, je me précipite dessus », même si on trouve toujours ça très beau quand on le voit. Et... Bien, je pense que là, on a fait un petit peu le tour. Il y en a... Alors, demain, il y a Kobold Érudit, hein, qui en sort un, le 1er avril. Également, je crois qu'il y aura dans ceux qui doivent venir. Moi, bon, bon, j'en ai toujours un seul, hein, donc que j'attends, mais on ne le voit pas passer. Enfin, ce sera le Bienvenue à Night Vale. C'est là d'ailleurs où je me rends compte que peut-être que j'ai beaucoup de jeux et tout ça, parce que pour aller vouloir chercher des trucs aussi précis, c'est que voilà, on fait le tour de pas mal de choses. Oui, le kit est très sympa, Felduin, hein, pour Celestopol, bien entendu. Et on fera bien sûr d'autres jeux sur d'autres dans différents lives. On parlera aussi des jeux auxquels on aimerait jouer, qu'on aimerait voir apparaître. Et également, il est fort possible que nous ayons Tony dans un live, soit un café Rollis sur la construction d'un jeu. Alors quand je parle de Tony, hein, c'est de Tony de BBE. Tous les à côté et puis tout ce qu'il y a derrière, sur toutes les coulisses. Oui, Mathieu, quand tu dis quand tu vends 1000 jeux de rôle, ça fait 5000 joueurs, mais ça fait toujours 1000 mètres de jeu qu'il achète. Donc, c'est pour ça. Oui, alors Fenrir, tout à fait. Oui, je voyais bien, j'ai un autre jeu. On a Broken Tales qui va arriver là en financement. Et moi, je suis super. J'aime beaucoup cette nouvelle politique d'Arkane de sortir, de nous parler du jeu. Mais en fait, de dire, tenez, il y a ce jeu-là, voilà, on vous propose tout de suite. On n'a rien fait en avant, on vous propose tout de suite. Et des jeux qui sortent vraiment, vraiment de l'ordinaire. On peut le dire maintenant, on avait longuement discuté avec, à la fin du Café Rollis, on avait accueilli Mathieu Saint-Tour, on avait une discussion qui s'était finie quasiment à minuit, enfin quelque chose comme ça. Et puis on discutait en off, bien entendu. Et il me montrait Neverland, il me montrait d'autres jeux que je ne vais pas citer. Et il y a plein de belles choses là qui vont arriver. Et ça, je trouve que c'est une chose. Et même si, effectivement, Thomas, je suis d'accord, Werewolf met du temps lui aussi à arriver. Alors, je vais vous proposer... Attends, oh, il y a un changement. C'est Lorraine qui vient de faire, je ne sais pas ce que tu fais apparaître. Lorraine, que fais-tu apparaître? Hein, vas-y. Vas-y, je te suis. Je te suis. Dis-moi ce que tu me proposes, Lorraine, et on le fait. Alors, je tiens à vous dire que Lorraine n'est pas passée dans la machine. Donc, c'est pas juste... Ah non, elle me dit que ça marche pas. Alors, bah, je vais vous proposer de passer aux nouveautés des jeux. J'ai trois jeux à vous présenter. Et ça sera donc... On va commencer par les romans. Alors, c'est juste, je vous signale la sortie, parce que bah, là, vous voyez, là, en ce moment, côté lecture, ça a été un petit peu ralenti. C'est un écho, c'est Lestopol, même si c'est Laurent Genefort, cette fois. Je reviens juste... Oui, Werewolf... Fenrir. Oui, bien sûr, Werewolf est traduit en production, bien entendu, mais c'est juste il met du temps à arriver par rapport aux dates qui avaient été annoncées. Non, voilà.
Donc voilà, donc ok, je viens de vous relire. Donc ne vous inquiétez pas, le jeu de rôle arrive en VF, mais il met plus de temps que ce qu'il a d'habitude. Et oui, Fenrir, bien sûr, il est traduit et tout ça, j'ai Vivace à la manœuvre, il n'y a pas de problème. Alors donc, la croisière bleue de Laurent Genefort, bien, si vous avez aimé les temps ultra modernes, vous allez aimer cette croisière bleue. Alors, pourquoi je vous le montre comme ça, c'est qu'il y a aussi différents dessins. C'est du steampunk et c'est un steampunk qui est pas tant matiné de vapeur, mais qui est matiné de cavorite. La cavorite, c'est un matériau spécial qui permet de créer de l'antigravité. Et en faisant de cette antigravité, sur les camions, les voitures, eh bien, ces camions, ces voitures, vous voyez, parcourent le ciel, vous avez des trains extraordinaires, vous avez ces bateaux. Et en 1923, justement, l'Agénor appareille, débute la croisière bleue, la quête de nouveaux gisements de cavorite qui exacerbent la lutte entre les grandes puissances à bord de ce transcontinental qui relie l'Europe aux confins de l'Asie. Un meurtre inexplicable a lieu. Et bien entendu, on retrouve Gaspard, agent du deuxième bureau français, qui est chargé de l'enquête. Et bien sûr, rien n'est aussi simple que ce qui pourrait paraître. Vous avez votre lexique, avec le lexique cavorique. Hein, donc, on a cavorier, cavorifère. Il y a beaucoup de choses en déclinaison au Scrabble. J'avais beaucoup aimé les temps ultra-modernes. Donc, j'ai hâte de retrouver cet univers qui est vraiment charmant. Production et écriture française. Et on est justement, je crois que c'est ce qui rajoute encore plus de ce charme, cette vision française de cette version steampunk. Donc c'est Laurent Genefort et c'est chez Albin Michel Imaginaire. Ça, c'était pour le roman. Je vous en dirai plus. Hein. Là, je vous le dis, je me fonde uniquement sur l'excellente lecture qu'avait été les temps ultra modernes, donc qu'avait eu prix Actu SF et tout ça, enfin une récolte de prix. Et dès que je suis allé plus dedans, bien sûr, je vous en reparlerai. Jérôme, tu bascules vers des financements de livres-jeux. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que on voit qu'il y a un très très net. On voit qu'il y a un très très net attrait pour les livres de jeux, pour les livres-jeux qui reviennent pour le jeu de rôle solo. Coucou Lorraine. J'essaie de creuser pourquoi il y a ce grand retour. On le voit, notre émission des héros et des livres avec le toujours excellent Mark Twain. On voit à chaque fois, ça marche très bien, et on voit tout ce qu'il y a derrière, toutes les personnes. Et c'est quelque chose qui... Oui, ce retour, ce n'est pas un retour innocent, en fait. Hein, ce n'est pas du tout un retour innocent. J'ai une supposition et j'espère me tromper. Je me dis que peut-être c'est parce que les gens ont moins de temps pour jouer, qu'on a peut-être moins de joueurs pour jouer. J'espère me tromper là-dessus. J'espère me tromper parce que c'est un truc qui est tout bête, par exemple. Parce que là, j'en ai un. J'ai une autose derrière. Je vais essayer de le faire parce que je pouvais pas me concentrer autre chose avec mon œil et la fièvre. Et je me suis rendu compte, bah, évidemment, que j'avais beaucoup de mal à lire. Et je me suis dit, mais mince, c'est parce que dans le jeu de rôle, t'as pas forcément besoin de lire, parce que tu peux. Tu inventes ton scénario, tout ça, mais le livre-jeu, bah, t'as le livre, donc là, tu peux pas faire autre chose. Oui, tout à fait, JC, hein, un livre dont vous êtes le héros. Et Jérôme, tu as plégié le dernier Alconos. Alors, la différence, hein, c'est que un livre dont vous êtes le héros, c'est un trademark, hein, c'est une marque déposée de Gallimard. C'est pour ça que le nom global, c'est... le nom global, c'est livre-jeu. Hein, c'est pour ça, c'est la grande différence. Et oui, Benvenuto, Laurent Genefort, c'est un pilier de la SF française et je suis vraiment content que Albin Michel Imaginaire lui offre une aussi belle tribune. Alors je vous propose du thé ou je vous propose des gens costumés, vous choisissez. Dans une ambiance agréable et décontractée, Rôliste TV vous accueillera de 21h à 21h30 tous les dimanches. Vous aimez le jeu? Vous voulez partager votre passion? Relisez-les. Trollist TV est là pour vous aider. Et pour l'info de qualité, n'oubliez pas, choisissez Relisez TV. Ça y est, j'ai fait mon jingle, les enfants. Allez.
Le livre jeu Lovecraftien se picore bien quand j'ai un petit moment. Alors oui, Mathieu, il faut savoir qu'on va faire une émission spéciale dessus, hein, sur les Choose Two. On commence par le thé. Eh ben, on va dire, allez, on y va par le... On va par le thé. Hop là. Déjà, je vous présente l'écran de Camisha. Voilà, qui est ici. Et Camisha, c'est un jeu. Je l'ajoute à la scène. Et je vais même mettre en solo. Ton solo ici. Lorraine, tu peux. Merci, Lorraine, d'avoir tiré la bannière pendant ça. Alors, bon, il est là, l'autre. Hein. C'était juste pour vous le montrer, le cataclysme de Kang, qui était là, la campagne Marvel. Oui, Jérôme, dommage qu'il n'existe pas des livres-jeux. L5A. Camisha, 35 euros. Partez en quête du jardin de thé de Camisha, un jeu de rôle de fantasy orientale par Melty, Dilou et Chali. Incarnez des aventuriers à la recherche du jardin de la divinité Camisha et de son thé mythique qui conférerait une jeunesse éternelle. Action héroïque, mystère, tout est là. Je tiens à vous dire, et j'avais fait exprès un post sur Rollis TV là-dessus, je lis beaucoup de jeux. Il y a des jeux qui plaisent à Mathieu le chroniqueur, qui ne plaisent pas du tout à Mathieu le maître de jeu. Et puis il y a des jeux qui transcendent vraiment tout. Puis, il y a des jeux qui plaisent d'autres aussi, quand même, je précise. Voilà donc la cité au mille arômes. On a envie de dire un mille arômes, mais bon, ce n'est pas le cas. Et dans Camisha, donc, vous allez... Tout est axé sur le thé et vous allez vous promener. Alors là, ici, donc là on a deux fois la cité. Et dans ce jardin du thé, on va aller dans un rythme de lecture qui est très doux, très agréable, qui est empli de... Je me mets un petit peu comme ça, qui est empli de poésie. Donc là, le mythe du thé, la naissance du thé et le peuple du jardin du thé. Donc vous avez dans cette cité au mille arômes, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'en fait, vous avez différentes factions en fonction du type de thé que vous avez, et c'est pas du tout des anges, hein. C'est pas du tout des personnes où on va faire des choses qui seront... où on va dire, mais c'est quoi? C'est de la fantaisie orientalisante, pacifiste? Non, pas du tout. Vous êtes des personnes qui vont devoir aller à la recherche donc, de cette fameuse cité, mais à certains moments aussi, on aura différentes factions qui vous demandent des services. Vous allez découvrir aussi tout autre... pas mal d'intrigues. Mais au-delà de... Puis alors, surtout, vous avez des noms. Là, vous avez celui qui vend du bruit. Et rien que lire le nom de ce PNJ, celui qui vend du bruit, c'est absolument, enfin, c'est d'une poésie rare, c'est d'une poésie raffinée, les enchères du thé. Et alors on va parler du système de jeu, qui est un système qui est assez étonnant. Donc là ici on a l'île du dernier soleil, donc on a les aventuriers tels qu'ici, donc les aventuriers du thé. Alors on a le lexique, donc joueurs et joueuses, des initiés, les aventuriers. Et on a un système de jeu qui peut être déroutant. Et Feldwin, je pense aussi, ce qui est déroutant, c'est qu'il faut le reconnaître. L'explication, il aurait dû y avoir une mise en page, je pense, plus importante au niveau de l'explication, parce que l'explication est donnée, alors que c'est un système qui est assez, assez étonnant. C'est que vous avez des compétences. Là, par exemple, voilà, vous avez ici touché, vous avez 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Là, vous en avez quelqu'un d'autre qui va avoir goût, 4, 6, 8. Là, quelqu'un qui va avoir odorat, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11. Alors, ça peut sembler étonnant. Quand on lance les dés, on lance des dés 12. On lance un nombre de dés 12. Là, vous voyez ici, hein, le test simple, c'est un dés 12 multiplié par votre score de voix plus un dés 12 si un art s'applique. Voilà, c'est ça qui aurait été, je pense, qui aurait dû être un petit peu présenté plus, qui aurait dû être présenté plus clairement. Donc, vous lancez vos dés 12 et ça fait, c'est comme une espèce de bingo, en quelque sorte. Mettons, je lance 4 dés 12 et je fais 3, 7, 11, 12. Ben, je regarde mes compétences. Et je dis, par exemple, ici, je suis dans combat. Alors, je veux faire pour toucher, là. 3, 7, non, pas pour toucher. Je dois toucher quelque chose. Là, je suis à, donc, 1, 6, 7, 10, 11, 12. Ben là, j'ai lancé mes dés, je vous ai dit. J'ai fait 3, 7, 11, 12.
Ah bah j'ai un 11, j'ai un 12, j'ai donc ce qu'on appelle deux équilibres. Et c'est comme ça que je réussis mon jet. J'aime beaucoup moi ce système-là. J'aime ce système, c'est bah, voilà un nombre de chiffres. Lance les dés et on va voir si ça correspond ou pas. On a donc les différentes manières de percevoir le monde. Ici, vous avez donc les mystères de Kamisha. Donc je vais passer assez vite. Ah, Bob, toi, tu ne l'aimes pas, mais il faut savoir une chose, c'est que les systèmes, c'est les goûts et les couleurs. Il n'y en aura jamais un qui sera meilleur que l'autre. Un système, ça correspond à quelque chose. Là, je trouve justement, ça correspond bien. Mais toi, tu pourrais ne pas aimer et d'autres adoreront. C'est le côté, le système parfait, le meilleur système du monde. Il n'y a que les prosélytes qui disent qu'un système est meilleur qu'un autre. On préfère un système à un autre. Là, je suis complètement d'accord. Mais dire qu'un système est meilleur qu'un autre, bah non. Mais et là, vous voyez donc la feuille de personnage. Et là, vous avez les différents scores. Qui sont là. Alors moi, j'ai fait des essais, j'ai fait un combat dessus et j'ai fait deux actions. J'ai pas trouvé ça si lourd que ça. Et je pense, voilà, donc comme le dit Feldwin, hein, c'est, et je pense aussi que ça vient d'une chose de plus en plus. Moi, je m'en rends compte dans la lecture des différents jeux, c'est que tu te retrouves avec des. Je te remercie, Lorraine. On est tellement habitué à avoir les mêmes systèmes. Que finalement, quand on est dans des jeux, quand on veut s'attaquer à la partie système, on se rend compte qu'on cherche pas la partie système, qu'on cherche ce qui change dans cette partie système par rapport à ce qu'on connaît de ce système. Et que dès qu'on a un nouveau système de jeu qu'on ne connaît pas, on aura tendance à le trouver soit difficile, soit lourd dès le début. Moi, c'est un des réflexes que j'ai. Quand je commence à avoir le jeu, je fais oh là, voyons tout ça, parce que voilà, on a plein de choses à lire et tout ça. Et la réussite de l'introduction d'un nouveau système, elle est, je pense, il y a une grande, grande part qui repose sur la manière dont on la présente et dans la manière dont on l'aborde. Et là, pour Kamisha, il faut bien le dire. Le jeu, pour moi, c'est un enchaînement. J'ai trouvé extraordinaire ce jeu-là. Et, il est sorti en 2023 et je pense vraiment que je vais le pousser pour le prix Rollista. Quand je dis je vais le pousser, c'est-à-dire que je vais bien le mettre en avant et pour que les amis du jury puissent en parler. Je réussirai pas, je sais pas. Mais là-dessus, la présentation du système, j'ai quand même dû lire à une ou deux fois. Je me suis dit, bon, alors, reprenons depuis le début, c'est dans les exemples que j'ai pu voir. Et je pense vraiment que les systèmes devraient être... il faut absolument ne pas faire confiance qu'au texte pour expliquer un système de jeu. Il faut autre chose, il faut des autres apports, surtout que dans l'écran, souvent c'est ce que je fais pour ma part, c'est quand je ne connais pas le système, la première chose que je lis, c'est l'écran. Et bien dans l'écran, le système on a l'explication du système des équilibres, mais on n'a pas l'impression que ça ne... que ça... Enfin, ça sort pas tout de suite comme ça. Mais, encore une fois, le système est là et on le comprend tout à fait. Et Feldwin dit, il faut que j'essaye pour le combat. C'est le nombre de phases par combat, les oppositions qui est sympa. Tout à fait. C'est hyper visuel pour les débutants. Tout à fait. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que voilà les jets que tu as à faire. Tu lances tes dés. Puis je trouve qu'il y a un côté... Ah, c'est bon, j'ai là. J'ai ça. T'as rien à additionner. T'as juste à voir si visuellement, tu as un de tes dés qui va correspondre. Ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Et plus, c'est correspondre visuellement. C'est ça qui est bien. C'est que c'est le 6. C'est le 6. Donc, et ça s'appelle donc les équilibres qu'il faut obtenir. Au-delà de ça, c'est un jeu comme on aimerait tellement en voir, ce Kamisha. Le jeu est court. Le jeu n'est pas... Le prix, vous voyez, il fait 230 pages. C'est très bien écrit, on sent la maîtrise du monde. Alors les illustrations, je ne vous en parle même pas. Hein. Donc c'est Dilou en couverture et intérieur et Jali qui avait été invité au Café Rollist. Moi, ce jeu, pourquoi c'est un jeu coup de cœur pour, comme je vous le disais, il y a cette conjonction d'un prix très abordable, cette poésie très forte, ça se lit autant que ça se... On se projette autant en le lisant que dans une partie. Ces dessins somptueux,
cette poésie. En plus, c'est un livre, cet univers où on se dit, oh, il n'y a rien à faire. En fait, il y a plein de choses à faire. Et puis aussi, je tiens quand même à imprimer en Union européenne. Et je tiens aussi à saluer le courage des auteurs. Parce que ça n'a pas été facile du tout, pour obtenir ce qu'ils voulaient au niveau de l'édition. Donc, je salue vraiment le courage des auteurs. Et c'est un projet qui a été porté, mais vraiment porté, avec toute la passion et tout le cœur qu'on peut voir mis dedans. Et ce que j'aime par-dessus tout aussi, c'est que dans beaucoup de jeux indépendants comme cela, on sent tout le temps la passion, mais parfois c'est une passion qui est tellement forte qu'on sent que l'auteur ou les auteurs perdent le contrôle de ce qu'ils écrivent et ils nous offrent beaucoup trop. Et qu'il y a des moments où on ne sait pas pourquoi telle information vient là, pourquoi est-ce qu'il y a ci, pourquoi est-ce qu'il y a ça, et puis on se dit, mais je vais en faire quoi ? Et aussi, on devine au détour de certains passages qu'ils ont dû jouer ça en scénario, que ça avait dû beaucoup marcher avec les joueurs, mais que ça ne transparaît pas quand on veut l'écrire à quelqu'un qui ne connaît pas. D'ailleurs, hein, quand on raconte nos parties aux gens, généralement, on a un accueil poli par rapport à l'enthousiasme qu'elles ont créé quand on a vécu la partie. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Il y a toute une essence, l'essence du jeu qui est donnée. Juste à vous de le faire infuser, puis vous vous dégustez comme vous voulez. Donc oui, les aventuriers, donc, merci Feldwin de m'aider dessus, hein, évoluent au sein des intrigues, les villes, les marchands. Et puis surtout, c'est qu'il y a Kamisha. On est à la recherche, mais la ville, elle existe. Hein. Elle existe, ce n'est pas quelque chose. Elle existe. Donc, voilà, pas cher, livré en moins de 2 mois et vous avez un budget, vous voulez tenter quelque chose, Kamisha, vous dites que vous venez de la part de Rollis TV. On va faire une petite pause de temps que je boive, je mets ma bannière en boucle, ne me quittez pas. Me voici revenu, oui. Alors Lorraine va bientôt nous quitter. Alors, avant de nous quitter, Lorraine, alors j'ai vu les questions là pour le générique, on pourrait faire un jeu de rôle basé sur la bière. Oui, oui, ce ne sera pas la même version. Juste, mais Lorraine, est-ce que tu peux me retrouver, s'il te plaît, le café Rollis qu'on avait fait avec justement Kamisha? Parce que c'était super drôle qu'on parlait, je dis, mais vous en avez testé beaucoup d'été, mais vous devez toujours envie d'avoir allé aux toilettes, voilà, c'était très très sympa. Moi j'avais beaucoup aimé cette thé à la menthe en particulier durant la campagne de Capharnaüm, très bonne chose. N'oubliez pas, d'ici une quinzaine de minutes, on va parler de la nourriture dans le jeu de rôle. Alors, autre chose qui est arrivée, vous connaissez, quelles sont vos comédies musicales préférées? C'est l'autre question que je vais vous poser. Vos comédies musicales préférées, vous avez lesquelles? Non, Il faut sauver le soldat Ryan n'est pas une comédie musicale. Alors. Ils arrivent. West Side Story, Phantoms of Paradise, Les Mis et Cab. Jérôme, je ne suis pas du tout comédie musicale. Ok. Est-ce que... Alors, c'est vrai que la comédie musicale, c'est pas un genre... c'est pas un genre qui a un grand succès en France. Je me rappelle, c'était quand j'étais allé voir Sweeney Todd avec Helena Bonham Carter et puis Johnny Depp. Et alors je savais pour ma part que c'était une comédie musicale, mais je savais pas que l'adaptation du film, c'était, ça allait chanter. Mais j'ai trouvé, au moment en fait où on se rend compte dans la salle que c'est une comédie musicale, il y a quelqu'un dans moi qui fait « Oh bordel, putain, ils vont chanter tout le temps !» J'avais absolument adoré ce truc-là, voilà. Alors,
Grease, bien sûr que ça compte. Blues Brothers, quelque part, pourrait être considéré aussi comme une comédie musicale. Et, ah non, mais Lorraine, très bien, j'ai mal interprété, excuse-moi. Eh bien, je vais vous proposer... Alors, on va le mettre ici. Je vais vous proposer La La Land. Alors, je vais juste essayer de vous présenter le tout d'une manière normale. Voilà, non, elle n'est pas normale comme ça. Non plus, non plus, non plus. Alors... Le Rocky Horror Picture Show. Donc voici le dernier jeu de Guillaume Janter. Je vais, si j'augmente, voilà, ici. La La Land, c'est une comédie musicale avec des zombies. La La Land of the Dead. Vous reconnaissez bien entendu un clin d'œil au film avec Ryan Gosling et Emma Stone. Et qu'est-ce que c'est que La La Land ? Eh bien, c'est vous êtes un survivant, vous êtes... Alors, ils expliquent, hein, c'est un hommage à tous les figurants. Et c'est pour ça que je vous posais la question sur les différentes comédies musicales, parce que vous avez beaucoup de clins d'œil comme ça qui sont faits. Donc, jeu de rôle sur table, 2 à 5 joueurs-joueuses avec un maître de jeu. C'est avant tout de construire ensemble des histoires où se mêlent la noirceur apocalyptique des films de zombies et la lumière virevoltante des comédies musicales. Et la grande force, c'est ça. Il va falloir chanter pour survivre. Vous allez devoir chanter pour survivre. Alors, on a Dédé à six faces. Alors, on a... j'ai pas compris pourquoi c'était écrit en anglais, le Identification Card, qui est là. On aurait pu dire carte d'identité, pièce d'identité. Et donc, avant de jouer, donc on dit bien ouais, ce que vous voulez jouer, ce que vous voulez pas jouer. Et vous allez commencer à jouer. Alors, vous avez créé un survivant. Donc, votre survivant, qu'est-ce qu'il a ? Regardez, superbe. Voilà, Catherine et Françoise, superbe. Clin d'œil au parapluie de Cherbourg. Enfin, voilà, je vous dis, c'est ce qui m'a tout de suite tapé dans l'œil quand j'ai vu le parapluie de Cherbourg. Donc, on décide du décor, on décide de selon quand on va jouer. Donc, créer un personnage qu'on a envie d'incarner. Donc voilà, vous avez, par exemple, Mary Andrews, elle a 34 ans, signe particulier, donc occupation slash métier, hein, on va dire ça, et elle a un grand parapluie noir. Vous avez votre photo d'identité, nom, prénom, âge, et on a les signes particuliers. Et vous avez donc votre accessoire. Donc, il va se passer plein de choses. Tenez, ici, regardez, voilà, Fred Astaire, Ginger Rogers. Et donc, dans La La Land of the Dead, donc, vous lancez les dés, et puis, vous allez devoir avoir des résultats. Alors, je vous explique. Regardez. On prend sa main de dés. Alors là, en tout cas, pour ma part, je le félicite. C'est bien de ne pas lire poule de dés tout le temps. Vous ajoutez un dé dans votre main si vous chantez pour décrire l'action. Et surtout, alors ce que j'ai trouvé génial, si les paroles de la chanson ont un lien avec la situation. Alors, je ne sais pas, mettons, s'il pleut et qu'il y a des zombies qui arrivent, vous allez dire « I'm singing in the rain ». Just singing in the rain. Alors, ce qui peut être un peu difficile, c'est que beaucoup de comédies musicales sont en anglais, donc il faut bien les connaître. Mais je me dis aussi que si on prend des comédies musicales en français, Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois mettre les doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Bon, bref, voilà. Donc, l'occupation. Donc, vous ajoutez tous vos dés, mais enfin, à côté de ça, si c'est un boss, si vous êtes gêné, si vous avez une blessure, si vous êtes tout seul, vous retirez autant de dés et vous lancez les dés. Donc là, tout est réexpliqué. Et quand vous lancez les dés, donc là aussi, magnifique, hein, magnifique, ce clin d'œil à Dirty Dancing avec une tronçonneuse, je trouve ça excellent. N'oubliez pas, on ne laisse jamais bébé toute seule dans un coin, surtout si elle a une tronçonneuse. Et donc, quand vous lancez les dés, bah, vous désadditionnez votre score. Et bien donc, en fait, 1 ou 2, horreur. 3 ou 4, donc ça se passe mal. Et puis à partir de 5, c'est une réussite, ça se passe plutôt bien. Et le MJ raconte. Et ça, je trouve ça absolument excellent comme ambiance, comme idée. Et c'est tellement excellent qu'il y a eu des émules. Et je vais vous renvoyer sur la page de Marion Amar qui est tombé en pamoison devant ce jeu et qui a même fait un décor pour le jeu. Et Guillaume Janter a dit que c'était un décor officiel, qu'il a complètement avalisé. Donc, La La Land Toulouse, si vous voulez, les AK-47 de Cherbourg, voilà, tout à fait, hein, chanté en fin de soirée. Et voilà, je trouve que c'est super. Et je pense que même on pourrait faire cela avec
tout type de jeu, enfin, tout type de chanson, même si elles ne sont pas forcément dans une comédie musicale. Alors Lorraine, tu nous demandes si on n'est pas obligé que ce soit avec des vraies paroles. Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que ça t'amène un bonus, donc si c'est les vraies paroles. Et alors ça m'a rappelé Changelin, la première mouture de Changelin, où c'était quand même moins réussi pour Changelin, c'est qu'en fait, si vous vouliez faire votre sort, vous êtes obligé de faire des choses, des petites pirouettes et autre chose pour donner un ton un peu enchanté, ça donnait surtout un peu n'importe quoi. Là, c'est très codifié, je trouve que c'est très 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 bien fait. Donc on va en reparler sur les différentes sorties. Et donc c'est un jeu qui, on vous mettra le lien, ce que je vous mets ici, parce que vous avez un plan ici de Sunset Boulevard, et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques autres des images. Alors Jérôme, je n'étais pas convaincu, j'aurais dû chanter, mais je ne peux plus chanter. Et alors notamment, vous avez un personnage qui ressemble furieusement au personnage principal de Hair. Voilà, je dis bêtises. Oui, parce que c'est William Treats, donc c'est le personnage de Hair. Let the sunshine in. Et vous avez un chanteur, je ne sais plus. Hein, toi. Et vous avez ici les différentes feuilles qui sont là, le différent résumé des règles. Donc vous le voyez. Ça fait toujours, toujours plaisir quand on reçoit quand on voit qu'il y a des jeux comme ça. On peut aussi faire le même jeu avec des blagues. Je trouve que c'est un très, très bon système et c'est une très, très belle idée. Et faudra que. Merci Lorraine de mettre le lien. Justement, je redemanderai à Guillaume comment il a eu l'idée, comment il a eu cette idée-là. Alors, je vous laisse. Je mets ma bannière quelques secondes. Il y a juste une chose qui est toute simple, c'est que la caméra sur laquelle je suis n'était pas branchée. Et d'ici quelques secondes, on va avoir un blackout. Donc, je vous mets la caméra. Je ne mets pas de chanson, mais vous pouvez tous chanter Let the Sunshine In en attendant. Et me revoilà, tout est bon, voilà, tout va aller dessus. Personnage chanté. Ten Candles, oui, Ten Candles. On l'avait présenté quand il était sorti, alors c'était il y a longtemps, il y a très très longtemps. On l'avait présenté, et pour vous rappeler, pour vous redonner le système, eh bien, vous prenez des petites bougies, des bougies pour assiette, là, chauffe-plat, et vous jouez avec 10 bougies, puis au fur et à mesure, elles disparaissent. Et tu vas voir, là, dans les petits conseils MJ Express, là, dont on va parler, eh bien, il y a quelque chose qui en est assez proche. Alors, les amis, on va passer maintenant. Si je peux quand même vous le montrer, quand même, mince, si, attendez. Parce que je pense que je serais quelqu'un d'autre si je n'en parlais pas. Je vais juste vous remettre une petite autre musique qui est là, hop là. X-Men, non, celle-ci on l'a déjà entendue. Le problème, c'est que maintenant on a tellement de musique que, allez, on va mettre comme si nous étions, voilà, celle-ci. Alors, vous voyez le format de ma main, c'est ici. Nous sommes en 1993 et un dénommé Jim Lee, que l'on avait déjà vu travailler sur Punisher et sur bien d'autres, prend les rênes de X-Men et ça va être la plus grande année qu'ait connue le comics. C'est un dessinateur qui va marquer à de très très nombreuses, qui va marquer une génération de une génération d'artistes. Il va devenir, après il va passer de Marvel à DC, avec il aura auparavant il y aura eu le studio Wildstorm et tout ça, et c'était aussi l'époque 1993 de l'explosion des trading cards. Il y en avait partout, il y avait Magic qui explosait. Donc c'est à partir de cette c'est à partir de Magic, hein, bien sûr, que tout va changer à jamais. Tout le monde va vouloir faire des cartes, et Marvel a demandé à Jim Lee de faire une série de cartes, et c'est qui serait uniquement X-Men par Jim Lee. Il l'a fait, et c'est Huggin & Munin qui sort la version française de ce livre, qui reprend toutes les trading cards, recto, verso, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont laissé le texte
originel, c'est-à-dire que le texte originel est là et vous avez une traduction ici. Ce qui fait que quand vous avez vos, quand vous retrouvez ces cartes-là, on a même la checklist à la fin. Quand on retrouve ces cartes, bien c'est comme si vous les aviez eues auparavant. Alors moi, elles sont là-bas derrière. J'en ai perdu pas mal dans un déménagement, mais c'était l'époque voilà, où j'avais mon classeur de cartes et tout ça. Puis bon, il y avait aussi des cartes de football. Bon, bref, il y avait tout ça. Et Again and Menin ont donc sorti la VF de ce petit livre-là, vous voyez, en 92. Hein, les X-Men et les mutants sont des véritables stars. Et c'est une vraie plongée. Et si vous aimez les super-héros, hop, ici, on en retrouve. Si vous les aimez, eh bien, le cataclysme de Kang, j'en reparlerai plus tard, sera là pour vous. Pour vous donner plein de choses à jouer. Alors voilà, alors, donc oui, Jim Lee, donc c'était Scott Campbell pour les Gen 13, Gen 13, et qui à la base devait s'appeler Gen X, mais il y a la maison Marvel qui a fait non, non, les enfants, c'est chez nous, ça, dès que c'est en X, hein, c'est chez nous. Mathieu dit j'ai relancé X-Men 92 avant la nouvelle série d'X-Men 97, tout à fait. Il y avait une Marvel vs System, hein, oui, tout à fait. Et vous avez également eu... Enfin, c'était l'époque où tout le monde pensait que les comics allaient réexploser, allaient tout changer. Vous aviez même eu Rob Liefeld qui avait acheté de la publicité dans le magazine Première à l'époque. C'était la première fois qu'on voyait justement de la publicité pour du comics dans d'autres supports que les supports que l'on connaissait à l'époque. C'était un grand, grand moment et très, très belle idée de la part de Again and Menin de ressortir tout cela. Et la maison Image, bien sûr, la maison Image avec Spawn et Todd McFarlane, c'est quand à un moment, parce que Todd McFarlane, c'était quand même fou, hein, entre Todd McFarlane, tu avais Jim Lee, Rob Liefeld, qui était, Rob Liefeld, excuse-moi, tu avais Eric Larsen, tu avais tous ceux qui étaient chez Marvel, hein, ça dessinait de la série X, ça dessinait du Spider-Man, et soudainement, ils se disent tous... on va s'unir, on va faire un truc qui n'a jamais été fait avant. Ils ont fait exploser le modèle du comics et ça a énormément fait pour que les auteurs soient mieux récompensés, que ce ne soit pas que les maisons mères qui récupèrent tout l'argent. Et c'est voilà, sacrée époque. Après, beaucoup de la qualité, c'était une autre histoire. Mais au niveau de l'industrie du comics, ça a été un véritable séisme que ces petits gars, qui étaient tout jeunes, tout frétillants à l'époque, on peut faire. Ouais, oui, bah, je peux dire oui, ouais, on en reparlera un jour de. Voilà, je peux dire quand j'avais moi mes comics. Après, hein, j'ai un peu provoqué. Quand il y a eu la mort de Superman dans Superman 75, je m'étais baladé avec le brassard noir. J'avais provoqué. Mais bon, voilà, je marquais. Alors, on va passer à notre chronique MJ Express. C'est quoi MJ Express ? C'est appelé à devenir une petite série d'émissions, des petites capsules de conseils au MJ. Et aujourd'hui, j'avais juste dans ce MJ Express, bah justement, ça porte très bien son nom, j'avais deux choses à vous montrer. J'avais tout d'abord à vous montrer ceci. Oui, hein, voilà, c'est tout simplement, vous l'avez reconnu, un sablier. Alors c'est génial en plus, comme le disait Lorraine, si en plus vous voulez jouer avec des œufs. C'est un élément, ce sablier, qui peut être quasiment à toutes les tables. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de Ten Candles. Ben, là-dessus, il y a beaucoup de choses, hein, en rapport avec ce Ten Candles. Le sablier, ça peut se poser sur la table pour montrer aux joueurs. Vous le posez juste aux joueurs, vous ne le retournez pas, et puis vous continuez à discuter, et puis à un moment, vous dites, bon, ben voilà, et vous avez ça pour discuter. Alors ça peut être soit pour tout ce temps pour faire votre action, donc c'est-à-dire à partir du moment où le sable est arrivé en bas, votre action, il va se passer quelque chose, soit ça peut être pour se décider, là aussi ça peut être bien quand il y a des conciliabules qui sont parfois interminables, et ben voilà, toc, vous me dites ce qui se passe quand c'est terminé. Ça met aussi une pression qui est assez forte quand, par exemple, ils rentrent quelque part, vous mettez tout de suite le... Donc, vous renversez le sablier, mais surtout, vous ne dites pas pourquoi. Et puis, ils voient, puis ça arrive à zéro. Et vous savez que c'est parce que ça veut dire qu'il y a telle personne qui est entrée, il y a eu tel événement.
Et c'est un très bon créateur de tension. Et surtout, on peut l'utiliser de très, très nombreuses manières. Et aussi pour faire des œufs durs. Je vous conseille de prendre des... Alors, celui-là, c'est un 5 minutes. Je vous déconseille de donner aux joueurs la durée. Voilà. Parce que c'est au bout d'un moment, ils vont se rendre compte là, de tout ce dont ils retournent. 3 minutes, c'est un petit peu court. 5 minutes, c'est bien, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Et c'est aussi un objet qui est très sympa à mettre sur la table. Alors, sur les prix vont de... Alors, celui-là, j'étais content, je l'avais trouvé. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait ça, qu'il y avait un petit enfant qui... Enfin, c'était vraiment, voilà. C'était pour les enfants. Mais c'est un outil qui devient vite indispensable parce que, de toute façon, on peut l'utiliser de tellement de manières différentes que, de toute façon, comme je vous le disais, les joueurs ne pourront pas s'habituer à votre manière de jouer. Donc, c'est aussi pour montrer que les carottes sont cuites. Tout à fait, Benvito, tout à fait. Tu as complètement raison. Et puis là, j'ai une autre chose à vous montrer. Alors, on m'a dit, alors j'étais là, j'étais tout fier, on m'a dit que c'était utilisé dans Fort Boyard, ce que je vais vous montrer. Bon. Après, je me dis, dans Fort Boyard, il y a aussi la clepside. Hein. C'est, voilà, pour Antica. Pour Antica, moi ce que j'avais fait, c'était, alors je l'avais utilisé à plusieurs reprises, je crois que les joueurs étaient en contact avec un esprit qu'ils avaient invoqué, et donc ça c'était la durée de l'invocation, et donc ils savaient le temps qu'ils avaient à faire. Également, j'avais fait, oui, ils avaient accès à un document, alors c'était un autre sablier que j'avais. Et où le temps passait beaucoup plus vite, ils avaient accès à un document, toc. Et c'était le temps, et après je reprenais le document. Et il faudrait plusieurs écrans de MJ, voilà. Et alors, l'autre chose que je souhaite vous montrer, c'est ça. Alors, on m'a dit que c'était sur. Que c'était un jeu dans Fort Boyard. Second des aimants. Alors, le but du jeu, en fait, c'est que vous créez un cercle. Vous créez un cercle, et puis chacun doit met un aimant, et au fur et à mesure, évidemment, le cercle va se remplir, et quand le cercle va finir de se remplir, voilà, là, oui, voilà, par exemple, j'en ai eu 3, donc je dois reprendre les 3. C'est-à-dire, dès que vous mettez vos aimants et que ça colle avec d'autres, ben vous les récupérez, puis c'est à celui qui les pose. Et pourquoi je vous le conseille? Parce que non seulement des fois c'est que les aimants vont avoir tendance à avoir leur propre vie, mais c'est que vous pouvez en faire un jeu dans le jeu. Vous êtes dans une taverne, vous essayez de faire quelque chose là. Alors, c'est des aimants qui sont assez puissants, et vous pouvez aussi, alors, il y a plusieurs manières d'y jouer, hein, vous lancez comme ça, ça peut aussi faire un PNJ qui utilise ça. Et vous pouvez aussi faire quelque chose qui soit très tactique, hein. C'est-à-dire, vous imaginez, vous dites aux joueurs, bon ben voilà, vous êtes ici, et puis vous devez vous déplacer, et ça représente donc leur déplacement, mais comme ils se déplacent, au fur et à mesure, vous posez également les aimants, et c'est tout simplement, ils doivent passer d'un endroit à un autre. Là par exemple, vous voyez, on va dire que là c'est là où sont les gardes, entre guillemets. Il y a un joueur qui va dire, bon, ok, je vais discrètement là. Voilà, c'est bon, il peut passer. Puis l'autre dit, bon, moi, je vais essayer de passer par ici. Puis voilà, ça ne marche pas. Et soudainement, ils ont été repérés. Il y a énormément de choses à faire avec ces aimants. Et alors, Fenrir, tu le dis aussi, tu vois, il y a un timer aléatoire, une action, un aimant posé. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous jouez avec de l'OSR, c'est quelque chose qui est... C'est toute l'inventivité de l'OSR que vous pouvez retrouver dedans. Ça peut être aussi, par exemple, vous jouez en inverse, c'est-à-dire que les aimants sont face à face, et en gros, vous lancez, ils doivent coller, et s'ils ne collent pas, c'est qu'il va y avoir un problème. Alors, Benvito, tu dis que c'est une fausse bonne idée, moi je te dis que non, parce que je l'ai testé à de très nombreuses reprises. Tu ne perds pas le contrôle de la technologie, contrairement à ce que tu penses, parce que c'est des éléments qui sont dans la narration et en temps. Qui sont en temps décompté. C'est-à-dire, par exemple, vous avez ce livre,
toc, voilà, le temps que vous avez. Quand vous discutez, quand c'est des palabres, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Tu ne perds en aucun cas le contrôle de ta chronologie d'événements. Et c'est ça, justement, qui rend le côté très fort. Parce qu'au début, je peux me poser la même question que toi. En fait, tu te rends compte que non, parce que de toute façon, en plus, toi, en tant que maître de jeu, c'est à partir du moment où tu le mets, c'est que tu contrôles déjà les choses. Tu ne contrôles pas de manière totalement... c'est pas totalement... aléatoire. Et dis-toi que quand, par exemple, ils doivent poser des questions et que le temps est très limité, essaye, tu verras. Après, ça marchera peut-être pas. Hein, voilà. Mais voilà, si je vous le dis, si je vous le présente, hein, tout ça, c'est que j'ai fait les tests. Hein. Le conseil OMJ, à chaque fois, c'est issu d'expérience personnelle. C'est pas. J'ai vu dans un forum. On continue avec ceci. Les dés. Des mystères. Qu'est-ce que c'est que ces dés mystères? Des mystères, c'est chez The Horde. Donc on vous mettra les liens. On a d'ailleurs 10% de... On a 10% de réussite... vous avez 10% de réduction si vous mettez le code... Sur tout le site, dès que vous mettez le code... Et tiens, fais une rire, je vais limiter les pauses clopes. Alors, comment est-ce qu'un dé peut peut marcher? Alors ben voilà, on va l'ouvrir. Donc je vais mettre un petit peu l'ainsi. Tiens, tu peux retirer le MJ Express, s'il te plaît, Lorraine, que je. Voilà. Donc, il s'ouvre ici. Alors c'est la surprise, hein. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Donc c'est un set de dés qui est un set de dés de jeu de rôle complet. Alors c'est pas un set de jeu de rôle complet, c'est un set complet de jeu de rôle, je pense. Et nous allons avoir. Alors je l'ouvre. Hop, première chose déjà. Donc je vois que c'est comme ça à l'intérieur. Et ils arrivent ici. Donc j'aime bien moi ces dés qui sont comme ça. C'est des dés qui sont un petit peu transparents. Oui, Benvenuto, fais-le. Si ça n'a pas marché, je serais très intéressé de savoir ton retour également. Il n'y a aucun problème. Hein. Non, ils sont pas déshydratés. Ils ont essayé sur du sacré. Donc, les voici. Et alors, je crois que tu montes, je ne sais pas déjà ces dés-là. Et c'est des dés qui sont transparents. C'est-à-dire que si je les mets... Alors, oh, tiens, je vais passer sur le grand... sur l'autre... l'autre, voilà, ils sont ici. Et ils sont, moi j'aime, en fait, de plus en plus, j'aime ces dés que j'aime. C'est ce côté élégant, simple, voilà. Il n'y a pas 10 000 trucs. Alors, en revanche, on a ce dé classique. Alors, j'ai l'impression que ce sont les dés qui sont. Ils sont en taille. Ils m'ont l'air d'être. Je découvre avec vous parce que. Là, on a quelques dés qui sont là. Oui, c'est ça. Ça, ce sont des dés classiques. Vous voyez, c'est les dés qui sont les fameux dés 20%. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde les dés par rapport au, la taille des dés par rapport aux autres dés qu'on pouvait avoir, alors je ne sais pas si je vais avoir les mêmes. On a des... Voilà, si, tout à fait. On remarquera que les dés maintenant ont tendance à être ont tendance à être un petit peu plus gros. Donc là, vous avez un set de dés. C'est des dés qu'au Pokémon, ouais, attrapé. J'y ai pensé ça, Benvenuto. Je me suis dit, en fait, il va faire des collections. Donc, ça, c'est le cadeau de Rollist idéal. Et d'ailleurs, on fera une petite émission. Ou enfin, on fera un thème de live sur les cadeaux à offrir aux Rollist. En tout cas, c'est élégant, c'est sympa. Et puis, vous pouvez renfermer vos dés ici. Et puis, également, le sachet de dés qui est là, le sachet de dés se referme. Donc, si vous n'ouvrez pas comme un barbare comme moi, vous pouvez même bien le découper. Et puis, ça peut vous faire alors une pochette de dés. Bon, c'est peut-être pas forcément la plus glamour, mais elle sera là-dedans. Donc, voilà. Non, on n'atteint pas la taille des dés. Voilà, parce que, tu vois, pour une fois que j'ai un truc tout prêt. Voilà la taille des dés. Hop là. La taille des dés. Ça, c'est donc le dé de base. Et puis ça, voilà. Voilà la taille d'un dé Fallout.
qui est un peu plus gros que du sud. Mais bon, on est. Vous savez, j'ai déjà la blague de 1er avril qu'on va faire demain. Voilà. Dans le même genre, que les aimants est un jeu stimulant pour les slashies qui pourraient se jouer avec une tour de giga. Mais tu sais, Mathieu, je pense que pendant très longtemps, on n'a pas trop mixé le jeu de rôle avec d'autres choses. Et qu'est-ce que tu me fais, Fabrice ? Attends, alors je suis pas du tout au courant là. Qu'est-ce que tu me fais, Fabrice ? Oh là là, attendez, je crois que Fabrice est là, parce que Fabrice était à... Attends, alors, ok, qu'est-ce qu'il me fait, Fabrice ? T'es pas encore à l'antenne. Vous avez vu l'apparition de Fabrice ? Je te mets à l'antenne ou pas, Fabrice ? Fais-moi un signe. Ok, je mets Fabrice à l'antenne, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Alors, bonsoir, c'est un braquage de live, je viens troller Mathieu en direct. Il n'était pas au courant hein, que vous soyez que vous soyez prévenu, donc c'est totalement improviste. Même Lorraine, si dans les quiz, coucou, hein, au cas où. Je pense que j'ai un peu suivi d'une oreille discrète le live. Donc, Mathieu, j'ai attendu qu'on parle de dés, étant donné que je viens te troller, étant donné que j'ai récupéré ceci à Troll et Légende hier. Donc, c'est un petit set de dés en métal et... J'espère qu'on arrive à voir carrément. Et donc, ici, on a par exemple, je pense que c'est le D20. Donc, je vais faire une petite démonstration. Il y en a d'autres. Donc, petit dé en métal. Et c'est dé en toupie. Et il s'arrête, sur le numéro, quoi. Sur le bas. Alors, on en a un autre ici, je pense que c'est le D8. Donc, Et donc là, tu le fais rouler. Bon, hop. Oh, et ils ont tous un petit design vraiment sympathique. Je vais les sortir. Donc, on a un autre dé en toupie, c'est le D100, je pense. Ah, j'aime bien le D4. Attends, je vais essayer de le sortir. Mais bon, avec un téléphone dans la main, c'est pas évident. J'ai un truc à l'œil, il faut que tu viennes là. Mais quelle perfidie. Il n'y a pas de mots. Alors, le suivant, c'est une fusée. Ah. C'est une fusée et c'est un D4. Donc tu as les petits numéros. Bon, je reviens. Vu que je suis en vacances, hein, c'est le setup un peu ghetto. Mais voilà, je me suis dit, je vais bien troller Mathieu, ça lui fera bien plaisir. Et donc voilà. Chez Répliquant ? Chez Répliquant, justement, oui. Tu auras bientôt de leur news, justement. J'ai passé un petit message. Donc ici, on a le D6. Un petit D6, une petite secou. Voilà. C'est une attaque sournoise en direct. Bâtard. On a un autre ici. Je pense que c'est le D8, celui-là. Ah oh là, oui, oh, il est beau. Et ça fait vraiment alien, hein. C'est vraiment métallique. Ouais, c'est clair. Et donc, tu le fais rouler comme ça. Voilà. Et le 2, le plus classique, c'est le D12. Où là, justement, t'as la forme classique, mais t'as le design alien, quoi. Bah, de toute façon, ça fait un vaisseau alien, hein. Ça fait Station Elite Dangerous, tout ça, donc... Alors, le D2P, est-ce que... Alors, ben, oui, il y en a deux. Mais il dit que la lisibilité, elle est comment ? Ça va, pour certains résultats, plus facile à voir que d'autres. Hein. Chose, en fait, mais... lequel est... Alors, c'est celui qui va être le plus en bas, c'est ça hein. C'est ça, c'est celui qui est le plus en bas. Bon, des fois, tu te demandes entre deux, c'est lequel. Mais bon, en général, tu prends vraiment celui qui est le plus au milieu. Bon, voilà, c'est peut-être... sur le D20, c'est un peu peut-être dur à dire, mais sur le D100 ici, c'est un peu plus facile. Donc... Alors Mathieu, est-ce que tu es content de ne pas être venu à Troll et Légende pour acheter ce set de dés je pense qu'il est nouveau, étant donné que je ne l'ai pas vu avant. Oui, je ne l'ai pas vu. Mais pas du tout. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Voilà. D'ailleurs, en deux coloris, il y avait la colorie orange ou ici bleutée. Tout ça. Peut-être qu'orange en sortirait mieux.
Oui, oui, mais je ne suis pas trop fan d'Orange, donc c'est pour ça que j'ai pris cela. Bon, sur ce, je vais m'esquisser tel un grand héros, hein, et je repars dans les ombres, et je vous souhaite à tous un très bon live. J'espère que tu es très bien salé, Mathieu. Allez, bye bye. Mais, Attends, je ne peux pas faire confiance aux Belges. Hein. Oh là là. Bien content qu'on vous ait battu en demi-finale. Pardon. Donc, ouais, voilà. Donc, je tiens à vous le dire, je n'étais pas du tout, vous l'avez senti, vous l'avez bien vu, j'étais pas du tout au courant. Surtout quand. Enfin, si, il m'avait dit, tiens, je me suis pris un truc, mais je te dirai pas lequel c'est, ou je te le dirai en live, mais je pensais qu'il pensait qu'on parlait d'un live qu'on ferait à deux. Bon. Il va falloir que je me remette de tout ça. Hein, vous voyez, franchement, quand. Voilà. Je me sens tout bête avec mes petits aimants maintenant. En tout cas, donc voilà. Alors les aimants, vous allez les trouver. C'est une dizaine d'euros. Vous le trouvez sur les internets. Faut que je vous redonnerai le lien donc hein, pour The Horde, pour tout ce qui va être les dés mystères. Et puis là, c'est pareil. Donc vous allez trouver un paquet de pourquoi j'appelle ça un thermomètre. Vous allez trouver un paquet de sabliers pour pouvoir trouver toutes les durées que vous voulez. Alors Jérôme, je te dis au revoir, mais de toute façon nous aussi on va bientôt se quitter. On parlera de la nourriture dans la prochaine, on parlera des cadeaux et on parlera de la traîtrise et des coups bas chez Rollis TV. Vaste sujet qui n'est pas assez souvent abordé d'ailleurs. Juste pour terminer, quels sont vous vos coups de cœur en ce moment? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous avez regardé le problème à trois corps? Qu'est-ce que vous aimez de en ce moment? Partager la richesse, comme on dit. Moi, je m'en fous. J'avais eu des surprises. Salut Valandra. Tous ceux qui nous écouteront en podcast, hein, c'est parce que nous sommes en. Shogun. Shogun. Ok. Shogun. Scalzi. Alors attends, on va prendre dans l'ordre. Donc, Shogun, la série qui est sur Disney+. D'accord. Fallout, c'est chez qui déjà? Parce que maintenant, on se perd tellement. Et Fallout, ça devrait être assez rapide, quoi. Alors moi, pour ma part, j'ai fait le... Voilà, 11 avril, merci Fenrir. C'est chez Amazon, oui, c'est ça. Amazon, ça va arriver vite. Demain, d'ailleurs, il y a un autre truc hein, pour les insiders, c'est l'arrivée du Lego Donjons et Dragons. Et c'était ça, voilà, que je disais avant qu'on soit grossièrement interrompu par... Hein, c'est que... Lego va faire une partie en stream autour de son set de Lego et que ça amène aussi des idées sur comment utiliser ces fameux Lego pour jouer. Ah, Nigo, tu te refais Firefly. Moi aussi, je me le refais régulièrement. Avec toujours ce petit pincement au cœur quand tu arrives au dernier épisode et tu sais qu'il n'y en aura pas d'autre. Tu me dis, Benvito, où est-ce que tu en es dans le bouquin? Parce que, voilà, on va pas reparler. Household chez Two Little Mice. Oui, encore quelques jours de financement, la version 5E. Je fais partie des rares qui n'ont pas accroché au problème à trois corps. J'ai un problème philosophique avec le paradoxe de Fermi. Vox Machina avec le fiston. Excellent. Shogun et Invincible. Moi, c'est la bande dessinée Invincible que je vais me refaire. Je pense que je vais me refaire tous les compendiums. Godzilla Monarch, Shogun et Halo. Alors, pour ce qui est du problème à trois corps, j'étais en pleine période de fièvre quand j'ai commencé à le revoir. Alors, c'était un peu une expérience. Je flottais, j'étais là, je me disais de quoi il parle. Je dois avouer que c'est à partir du cinquième épisode, donc tout le monde, je pense, voit de quoi je veux parler au niveau de ce cinquième épisode, si vous êtes allé aussi loin, que la série prend vraiment tout son envol. En revanche, ce que je sais, c'est que la série, visiblement, ne marche pas très bien, et que comme ils ont engagé 160 millions de dollars dessus, on ne sait pas encore s'il y aura la saison 2 ou pas.
Donc Shogun, je pense que oui, ça va être une des choses à, qui va être sur ma liste. Je pense que c'est peut-être beaucoup plus facile et accessible que le plus problème à trois corps. Et alors Mathieu, le paradoxe de Fermi, je dois te dire que je ne sais pas ce que c'est. Donc c'était le cas. Tout début du livre, d'accord. On va attendre encore un petit peu pour les différentes questions que vous pourriez avoir. Et après, je pense qu'il va être le temps d'aller se coucher, parce que demain, il y en a qui vont aux urgences médicales. Hop là. Merci Lorraine. Je vais mettre le lien. Il est ici. Et je vais en profiter, pendant que vous me mettez tout cela, je vais en profiter pour mettre les liens pour The Horde. Voilà, qui sera... ici, et c'est... à chaque fois, je me trompe dessus. Alors, faut savoir qu'il y a plus de 107 à collectionner. Donc, Benvito, tu parlais c'est comme les Pokémon. Voilà, il y a 107. Voilà, je vais vous mettre le lien tout de suite sur les paquets de dés. Hop là, découvrir. Accessoires. Voilà, les dés mystères qui sont ici. Voilà, donc fort abordable, ça se dit. Alors voilà nos dés mystères si vous le souhaitez, et n'oubliez pas, si vous mettez RTV10 comme code, vous avez 10% de réduction, donc le prix était à 9,95, donc ça vous fait un peu à 8,95 pour les dés mystères. Honnêtement, on a vu pire. Pour revenir au jeu de rôle, j'ai passé ma semaine à faire des persos L5R avec le jeu des 20 questions. Ah oui, alors que c'est pas le MJ. Ben yon. Alors, pourquoi est-ce que les extraterrestres ne sont pas déjà visités s'ils sont partout dans l'univers? D'accord. Ok, merci Mathieu pour le paradoxe. La BD Le Convoyeur pour Orko, ok. D'accord. Moi, pour ma part, une autre série que je vous conseille, enfin que j'ai aimée, mais c'est dans un sens assez totalement différent, ça s'appelle The Gilded Age, parce que ça c'est mon amour pour la période. C'est par le producteur de Downton Abbey, et j'en profite parce que là j'ai... Lockdown Abbey, quand Agatha Christie rencontre Downton Abbey, c'est en Écosse en 1930, et bah celui-là je devais faire partie de ce que je devais commencer, parce que ça se lit plutôt vite hein, et plutôt bien visiblement, mais bon, bah, j'ai pas eu le temps de tout voir ni de tout faire. Donc on va, la BD Jazz Ménard, ok, très bien. Et tiens, j'ai une idée aussi de questions en live qu'on pourrait faire. Ça serait par exemple, enfin de thème, c'est adapter un jeu, un film. Est-ce que faire un... Alors, je vais pas faire Oppenheimer, le jeu de rôle, mais Barbie, le jeu de rôle, les choses comme ça, ça pourrait être... Blackwing, série policière classique, mais chez les Indiens Navarro, très intéressant. Alors, Mathieu, pour Gilded Age, c'est le même, c'est Julian Fellowes qui l'a produit. Donc, c'est les mêmes, mais ils ont plus d'argent. On sent que voilà, y a plus d'argent et plus de fonds bleus. La fin d'un module, les DCC, il y a une nouvelle arrivage hein, qui arrive pour de scénario. On devrait l'avoir mercredi, nous, sur l'ISTV. Donc, je ferai une petite capsule si tout est revenu en état. Fenrir, tu attends Receivers. Oui, pareil. Pareil, puis je commence à regarder l'UFL, c'est les premiers matchs qui ont lieu ce week-end. Ok, eh bien les amis, je crois qu'on va lentement, mais sûrement, se diriger vers la fin. C'est un jour férié, 22h30, voilà. Donc, ça fait comme si c'était 23h30, hein, vu que... Non, c'est comme si c'était 21h30, avec l'heure d'hiver et l'heure d'été. Donc, je vais vous donner les différents programmes de... Rollist TV pour les jours qui vont venir. Donc on va avoir du Weizen, on va avoir mercredi une série de enfin on va faire une grande vidéo qui va être le compte rendu de Trolls et Légendes, c'est Fred notre monteur qui a fait cela. Samedi vous avez Alien, la dernière sortie de Arkane qui va être faite par Guillaume. Argiropé va arriver, Arkham
va arriver également. Le manoir, les demeures de l'épouvante va également arriver en critique. Tenez, on a reçu également le flambeau des profondeurs au niveau de Pulp. Et puis d'autres choses hein, qui sont toujours prévues. En Café Rôliste, on a Croc, on a Julien Pirou, on a Le Bon MJ, je ne sais pas quand ils vont être diffusés. Et puis sinon, je pense que nous allons... on arrive un peu à peu vers la fin de la saison, mais il y a des grosses vidéos que je dois vous faire. Je vais vous faire le très bon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hop là, Chronique Oubliée Galactique, parce que Guillaume n'avait pas eu... Enfin, avait eu un... avait eu pas mal de il y avait eu pas mal de contretemps pour la version pour la vidéo, donc je prends le relais. Je vais également vous faire la lisière, je vais vous faire le passe, enfin bref, plein de petites choses et tout ça. Grand merci à toi Jérôme, et merci pour ton message. Bonne soirée à tous, comme tu nous dis Indigo. Un grand merci à toi également, Lorraine, d'avoir tout fait cela. Ah, c'est gentil. Sur STV, lors de l'interview French War Games Studio. Ah bah, je vais aller voir ça. Bah, merci. C'est normal, c'est un Mathieu, avec un seul T. Il y a une espèce de cohésion qui se fait. Il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose. En tout cas, un grand, grand merci à vous tous. Profitez bien de ce jour férié que l'on peut voir, pour demain. Enfin, si vous avez d'ailleurs le jour férié, si vous ne travaillez pas. Et puis, pour notre part, en live, nous allons nous retrouver... je ne sais pas quand pour l'instant. On sait qu'on va normalement recevoir Agathe au niveau du. Pour ce qui est des secrets, enfin pour Dearg 2. Mais pour l'instant, après, je ne pourrais pas trop vous dire. Mais la seule chose, en tout cas, que je peux vous dire, enfin les deux choses que je peux vous dire, c'est que tout cela n'est que du jeu. Et que vos parties soient belles. À très bientôt, les amis.